ministre socialiste Jean-Louis Bianco, qui est désormais le président de l'Observatoire de la laïcité, était aujourd'hui à Niort pour parler de laïcité, bien sûr, et du vivre ensemble. Deux notions plutôt malmenées ces derniers jours en France, avec l'affaire du Dieudonné, puis celle de la rumeur sur la théorie du genre qui agite les milieux extrémistes et intégristes. Jérôme Villain et François Gibert. Sa venue à Niort devait initialement ne parler que de laïcité, que ce soit ce soir lors d'une conférence ou encore cet après-midi devant les élèves du lycée Paul Guérin avec la présentation de la charte de la laïcité. Mais l'écume de l'actualité semble plus forte et oblige Jean-Louis Bianco à s'exprimer sur une rumeur nauséabonde relayée par des groupuscules d'extrême droite. Pas de lien direct donc avec la laïcité, mais avec le vivre ensemble sans aucun doute. Il est incroyable qu'on puisse utiliser Internet pour manipuler des hommes et des femmes, et éventuellement des jeunes, pour mentir carrément. Cette histoire de théorie du genre, c'est une théorie, je crois, américaine. On peut en penser ce qu'on veut. Le but de l'école, mais ça date pas d'aujourd'hui, ça date d'un siècle, c'est d'enseigner le respect et l'égalité entre les filles et les garçons, et de travailler dans un certain nombre d'endroits sur la manière de réaliser que dans un manuel scolaire, dans les métiers, on a des préjugés, on a des stéréotypes. Ça n'est rien que de très naturel dans le rôle émancipateur de l'école. Vincent Peillon, le ministre de l'Éducation nationale, qui sera à Poitiers lundi prochain, a souhaité tendre le cou à la rumeur des hier en envoyant une lettre à tous les chefs d'établissement dans laquelle il leur demande de rassurer les parents d'élèves, mais aussi de leur rappeler fermement les règles de l'école républicaine. Pour Jean-Louis Bianco, cette affaire reste néanmoins anecdotique. Dans la région, seule une trentaine d'élèves a raté l'école suite à cette rumeur. Seulement après l'affaire Dieudonné, les défenseurs de la laïcité ont bien compris que les valeurs de la République étaient une nouvelle fois mises à mal et qu'il fallait, quoi qu'il arrive, ne rien laisser passer.